Alors, mon métier est conducteur de travaux et mes missions principales sont donc d'organiser, de planifier et de diriger des projets, de la prise du marché jusqu'à la réception des travaux, et tout en étant garant de la sécurité, de la rentabilité et de la qualité des travaux réalisés. Alors, mon parcours, j'ai réalisé une école d'ingénieur généraliste et ensuite j'ai donc intégré la SMAC par le biais de son graduate programme. Donc, le graduate programme, aussi appelé Tour de France, est un parcours de formation en interne où on nous envoie en mission, donc c'est 3 missions de 4 mois au sein des établissements de SMAC. Donc pour ma part, j'ai intégré les établissements de Tours, de La Réunion et de Caen, où j'ai été mis sous la tutelle d'un conducteur travaux expérimenté et où j'ai pu découvrir les différents corps de métier de la SMAC. Et j'ai ensuite intégré, à la suite de donc, ce graduate programme, l'établissement de Toulouse, où je suis actuellement depuis 1 an sous le poste de conducteur travaux. Donc le graduate programme m'a apporté tout d'abord de m'intégrer au sein de la SMAC, mais également aussi de découvrir les différents corps de métier, donc les métiers de l'étanchéité, de la couverture, du bardage et de la façade architecturale. Ça m'a également permis de découvrir différentes façons de travailler avec des conducteurs qui ont chacun leur méthode et leur fonctionnement. Donc ça m'a permis aussi de m'enrichir personnellement pour la prise de poste par la suite du métier de conducteur travaux. Donc si j'ai choisi SMAC, c'est tout d'abord pour la diversité de ses projets, mais également pour son savoir-faire dans des projets de haute technicité, comme la façade architecturale, qui est source pour moi d'épanouissement dans mon métier.